Des policiers britanniques ont fait usage de leur arme à feu et d'un taser pour arrêter un homme qui a foncé sur le véhicule de l'ambassadrice d'Ukraine à Londres. La scène s'est déroulée ce samedi matin devant l'ambassade dans le quartier de Holland Park. D'après un communiqué de la représentation diplomatique d'Ukraine, la voiture de l'ambassadrice Natalia Galibarenko a été délibérément ciblée à deux reprises par l'automobiliste. Dès l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, le véhicule s'est dirigé vers les officiers qui ont dû utiliser leurs armes. Le véhicule a été stoppé. À son bord, un homme âgé d'une quarantaine d'années qui a été arrêté, puis conduit à l'hôpital. Il ne souffrirait d'aucune blessure. La piste terroriste est écartée par la police. Une enquête a été ouverte sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de l'ordre. Aucun membre de l'ambassade n'a été blessé.